Welcome les copains! Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor très spécial parce que nous sommes au même endroit que j'étais quand j'ai filmé ma première vidéo. Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo et donc ce sera une vidéo présentation. Donc je vais vous montrer ça. On est actuellement dans mon ancienne caravane, enfin la caravane de mon jardin. Donc là vu qu'on est en hiver elle ressemble à rien mais c'est trop drôle. Comme vous l'aurez compris, je vais vous retrouver une fois par jour pendant tout le mois de janvier, si tout va bien. Alors, c'est un peu spécial. Au début, je comptais faire une vidéo par jour et en fait, comme je vous l'ai dit, je me rends compte que non, les vidéos face cam, c'est pas trop mon truc. Je dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, mais je vais vous faire des vlogs. Mon année 2019 a été trop cool. J'ai vraiment rempli tous les objectifs que je m'étais mis. J'ai eu mon permis. Je l'ai passé, je l'ai eu. J'ai eu 10 000 sur YouTube, même on est 20 000 aujourd'hui. Merci beaucoup d'être 10 000 à me suivre, c'est juste beaucoup trop cool. Enfin, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu mon école et tout. Mais c'est vrai que moi j'adore les défis et j'ai pas eu l'occasion vraiment de me lancer de défis concernant YouTube, dans le sens où j'ai pas pu forcément me dépasser. Et aujourd'hui j'avais trop envie de me lancer dans ça. C'est vraiment depuis le tout début de l'année que je veux faire ça. Je sais qu'il y a eu vraiment l'idée des daily vlogs qui a été très à la mode pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est cool hein, c'est cool, mais mon but c'est pas de copier les autres personnes, je vais vraiment faire mon style de vidéo, sachant que ce qui sera un peu particulier durant ce mois de janvier, donc aujourd'hui on est le 27 décembre, je commence 3 jours en avance, voire 4, pour avoir vraiment le temps, parce que je vais faire beaucoup de choses pendant le mois de janvier, j'ai 3 semaines de vacances, donc là il m'en reste environ 2, je vais partir dans 2 endroits différents, après j'aurai cours, c'est pour ça que je vais avoir un peu d'avance sur mes vidéos, et donc normalement jusqu'au 31 janvier, vous aurez des vidéos, 30 janvier. J'ai vraiment trop hâte, ça va être trop cool, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite vraiment à me soutenir dans le sens où n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je suis vraiment hyper active sur Insta et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube, à mettre un like, à commenter, à me dire quel type de vlog que vous voulez voir. Il y aura aussi des vlogs Studio With Me mais pas tout de suite parce que là j'ai besoin de prendre des vacances et je sais que vous n'avez pas envie que voir ce style de vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire. Donc aujourd'hui, il est quelle heure? Oh, j'ai ma nouvelle montre. Il est midi 18. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris mon café comme d'hab. J'ai mangé et puis j'ai fait une petite séance de sport. Je fais pas grand chose en ce moment, ça me saoule un peu parce que j'adore les vacances mais j'aime pas ne rien faire. Voilà, pour vous le nouvel an il sera passé, donc dites-moi ce que vous avez fait pour le nouvel an. Moi le nouvel an, comme vous le verrez, je serai avec ma famille parce que je pars... je peux vous le dire, je vous spoil, je pars à Brighton et après à Londres, je suis trop contente. Donc voilà, bref, on va arrêter de discuter parce que genre, flemme de parler trop longtemps, je vais vous emmener dans ma journée. Oh. Ça va toi? Ça va Mibou? Hop. Donc je crois qu'il faut que je vous introduise bien ce monsieur, hein, parce que vous avez beaucoup de voir. Oh mon Potter. Allez viens, on rentre. Ouais, ouais. Allez viens. Pour vous tenir un peu au courant de mes aventures, actuellement je recherche un stage. En gros cet été je vais faire juin-juillet en stage ou en CDD ou quoi, et après en août normalement je pars avec mon équipe compa. Donc oui je suis toujours scout pour ceux qui me demandent, mais simplement là on a un peu de mal à gérer et tout, donc faut que je m'y mette cette semaine, donc j'ai du temps. Je voulais aussi vous parler de livres parce que je pense que c'est la bonne occasion. En ce moment je suis en train de lire Millennium et j'ai lu pas mal de livres. Si vous avez envie que je vous en parle un peu plus, des livres, des romans policiers, des romans un peu d'amour on va dire, j'en ai lu vraiment pas mal pendant les vacances. Donc n'hésitez pas surtout à m'en partager pour que j'en lise d'autres et tout, et à me dire si vous en avez lu, si vous avez kiffé. Alors là je suis fin prête pour aller me balader avec un petit bonnet. Je suis morte mais sinon je vais avoir trop froid et ma frange elle a pu ressembler à rien. Comme vous avez vu je me suis fait une frange. Je porte sinon, que ça vous intéresse, vous êtes beaucoup à me demander mon manteau, il vient de chez Zafoul. Vous savez je l'avais reçu en partenariat mais franchement je le déconseille. J'ai fait très peu de partenariats avec Zafoul, j'en ai fait un seul avec en vrai des sites de vêtements, et alors il était bien mais je le porte super souvent et il pluche, donc je trouve que c'est pas de la super bonne qualité quoi. Ensuite j'ai mon écharpe Sinequanon que j'ai eu à Noël, ça c'était un vieux bonnet pinky Voilà, il est un peu pailleté, je sais pas, des fois je l'aime bien, des fois je l'aime pas. Ensuite mon jean Zara, mon pull, vous êtes aussi beaucoup à me demander. Je l'ai eu en fripe sur Paris. Et ensuite je vais mettre mes Ugg, mes grises, voilà. Ça arrive très souvent que vous me dites que j'ai... Enfin je porte des Ugg et tout, alors que je mange pas de viande. Bon, déjà... J'ai pas dit que j'étais végane, je comprends que ce soit pas hyper logique, mais juste en gros j'ai le syndrome de Raynaud, c'est pas grave, mais ce qui fait que j'ai mes mains rouges, genre ça aussi je reçois tout le temps ce commentaire là, j'ai mes mains rouges et j'ai les pieds noirs, en gros mes pieds ils sont noirs, mon sang il circule pas et en fait genre je peux pas mettre de chaussures normales en hiver, enfin, j'ai vraiment déjà essayé, genre à la fin je pouvais plus marcher à la fin de la journée, genre mes pieds ils me brûlaient. Voilà, c'est juste une question auquel je veux répondre au début de ces vlogs, comme ça bah... Enfin, ça vous inquiétera pas, entre guillemets. Mais voilà, donc ça c'est cool. Là, je vais aller me balader. On va emmener le petit chien avec nous. Alors là je fais une petite pause dans ma lecture, j'ai mon petit café, ça fait trop du bien de ravoir du café en machine, mais vraiment ma vie, parce que moi j'ai que du café en poudre. Après il est un peu moins bon parce que il est plus sa mère, il vient du truc équitable et tout, mais bon au moins ça se recycle. Et je vais répondre à vos messages sur Insta, vraiment c'est... En fait je m'en rends pas compte, mais j'ai quand même beaucoup de messages. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, enfin c'est pas très compliqué de répondre à tout le monde, mais juste des fois si je trouve un peu inapproprié, je pense que vous voyez ce que je veux dire, je réponds pas. Mais voilà, si j'oublie de vous répondre, genre vraiment c'est pas de ma faute, c'est que des fois les messages ils disparaissent. En gros quand ça fait trop longtemps et genre bah juste des fois pendant une période d'examen et tout, genre j'oublie de regarder. Parce qu'en fait c'est dans les demandes de messages et voilà, je sais que ce vlog est pas du plus intéressant, j'aurais aimé vous faire un truc de ouf. Pour la première fois je voulais vraiment faire un truc trop cool. Parce qu'en fait bah j'ai pas grand chose à faire, je suis à Rouen et moi je sais que j'adore regarder des vlogs un peu cosy, un peu bah juste de la vie normale des gens. Et voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment toutes sortes de vlogs. J'ai beaucoup trop hâte de partir en vacances. Par contre il y a la grève des trains en gros le 9 janvier et je pars le 9 janvier. Et j'espère que ça va aller. Enfin je vous raconterai, on a eu déjà plein de galères. Donc là je vais vous répondre. Ce soir je refais Noël avec une autre partie de ma famille et mes grands-parents. Donc ça va être ça va être assez cool. Je vais encore m'éclater le bide. Là je vais me préparer, je vais vous montrer ce que je porte. Donc là je porte une combi qui appartient à ma mère, genre elle est vraiment trop belle, elle est comme ça. Bon au niveau du maquillage de toute façon je me maquille très peu, alors je sais pas, je vais juste lisser ma frange pour essayer de la réarranger et voilà, ça c'est simple. J'ai essayé d'enlever mes lunettes mais je vois rien sans lunettes en fait, donc ça me fait mal aux yeux. Les gars, je suis rentrée, je vais aller me coucher, je vais finir mon livre, enfin j'espère. Et donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira. Normalement il y aura des trucs assez cool. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais une petite